Jean-Claude Van Damme, li rare pour jeune haïtien qui pas connait acteur ça. C'est un acteur qui était vraiment charmé tout haïtien dans année 90 yo, grand pile film que me s'est participé là-dedans yo qui était gravé dans mémoire. C'est un acteur qui connu mondialement, qui gon parcours qui vraiment intéressant. Dans vidéo ça, nous pral raconter histoire Jean-Claude Van Damme. Pas oublier, si c'est première fois tombé sur page là, likez, commentez et puis abonnez si vous pouvez faire ça. On allez. Jean-Claude Van Damme fait dans pays Belgique 18 octobre 1960. Tout petit, il était dans coup danse classique avec Amasio. À 11 ans seulement, parents étaient inscrits dans karaté et l'elle gain 18 ans, il était arrivé ceinture noire. Dans l'année 1982, Jean-Claude Van Damme débarquait Los Angeles avec $2000 dans poche li seulement sans le pas qu'on parle anglais parce que rêve li c'est pour li vinn un grand acteur. Lorsque monsieur arrivé, monsieur commencé faire quelques petits jobs tant que chauffeur taxi, livreur de pizza, professeur de danse pour être capable mettre petit cob dans poche li. En même temps, c'était toujours à participer dans quelques casting en façon pour capable joindre quelques petits projets pour le jouer. Pas oublier rêve li c'est pour venir un grand acteur. Yo même fait connait que m'était qu'on al nan parking Hollywood al déposer quelques petits papiers sur machine yo, peut-être la tomber sur un producteur qui a bal jouer un rôle qui important. Plagiste, serveur, il paraît que vous mettiez votre numéro de téléphone et votre photo sur les grosses voitures de luxe sur les parkings. Des studios Hollywood, ouais. En disant, tiens, ça c'est peut-être la voiture d'un producteur, c'est une grosse bagnole, et il va m'engager. Partout, vous avez fait ça. Ouais. C'est absolument étonnant. Jean souvent dit là, Jean cherchait, Jean trouvé. Dans l'année 1988, l'IRSI jouait un gros rôle dans un film action qui relait Bloodsport, yon film qui te tourné à Hong Kong en Chine. C'est depuis l'ESA, gros projecteur pral commencé l'imen sous Jean-Claude Van Damme. Dans l'année 1992, premier blockbuster dans le tournage Universal Soldier, les films sont sortis, film ça ramassé un petit beau kit l'argent dans box office, ça pral permettre Van Damme enchaîner avec plaisir l'autre tournage encore. Tant que Chasse à l'homme en 1993 de John Woo, Time Cop en 1994, Street Fighter, L'Ultime Combat en 1994 et puis un paquet l'autre gros projet à succès encore. Après tout succès ça yo, Van Damme bin populaire avec ti coup pied ça. Après ça, Van Damme lance propre production PAL avec premier film li réalisé qui c'est Le Grand Tournoi. Nèg gen kòb, nèg populaire, Van Damme lage lan drog, ça qui t'a pral yon jan boycotté carrière acteur. Li te vin difficile pour le retourner sous grand écran Hollywood encore. Juste dans l'année 2008, li fait un grand retour avec JCVD. Après ça, carrière pral rebalancer encore à quelques autres films à succès. En 2011, c'est première fois li participé non émission télé-réalité qui relait Les Anges Gardiens. Jean-Claude Van Damme marié 5 fois déjà. Li gen environ 3 petites. Gen l'autre source qui fait connait li gen plus toujours. D'après magazine People with Money, Léo prend en compte tout cob Van Damme fait, soit directement, soit dans partenariat publicité etc. Yo estimé fortune Van Damme à environ $245 million. Yo fait connait que c'est un monde qui vraiment aime investir. Li investit dans bourse avec immobilier, li gagne un bel contrat avec CoverGirl, une entreprise produits domestiques, li gagne plusieurs restaurants à Bruxelles, un club football à Bruxelles, li gagne un parfum qui relait l'eau de Jean-Claude. Pour année 2022 là, yo estimé Jean-Claude Van Damme gagne un revenu de $82 million seulement pour année 2022. Pas oublier dans l'espace commentaire, fais-nous connaître qui film Van Damme fait que tu as toujours souhaité regarder encore. Film ça a été gravé dans mémoire. Moi-même, c'est Chasse à l'homme. Et si toutefois, pourquoi vous abonner sur page là, fais ça, likez et partagez vidéo ça pour plus de monde capable de regarder. Et puis, nous bon rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo. Ciao!